Alors, David Crockett, qui est un électron fou, il se barre des remparts de Fort Alamo, largué entre les sphères. Alors, David Crockett, qui est un électron fou, il se barre des remparts de Fort Alamo, largué entre les sphères. Comme en 2001, ce mec qui détache du module et qui part à tout jamais, commence les nouvelles errances, le temps de l'exil, prométhéen, et la quête du feu, tu vas parcourir sur des frontières obscures, multiples et doubles, ouais, encore une fois. Quand tu es dans l'instant, tu fais quoi? C'est encore des conneries, ça. Tu sais, il y a le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. C'est ça, là, le truc du barjou. Alors, quand t'as pigé ce truc-là, c'est une réalité aussi réelle que la table que tu touches qui fait obstacle. Si tu donnes un coup de tête dans la table, t'auras mal à la tête, ok? C'est un cercle. C'est la spirale. C'est la spirale. Peu importe les formes. Mais Crockett, il a refusé le rempart, il a refusé l'obstacle, il a refusé d'être toujours dans cette fraction du recommencement des choses. Il a refusé l'expérimentation intérieure du phénomène qu'ils ont découvert dans les cyclotrons, les accélérateurs de particules. C'est ça, la méthode Barjot. Il a refusé d'aller dans les 1 milliard de variations possibles du cercle. Ensuite, c'est la spirale, de nouveau, voilà. C'est un cercle. Waouh! C'est un cercle. Waouh!